Abonne-toi et active la cloche. Hi! Alors, je reviens de course. Agadou-dou-dou. Voilà les courses de civil. Agadou-dou-dou. Voilà mes courses du jour. Ah. Alors, bon, je vous raconte pas. Franchement, le chauffeur, j'ai discuté avec le chauffeur Uber. J'ai pas pu faire mes courses dans le Uber parce que je les avais mis dans le coffre. Et puis les sacs étaient fragiles, c'est des sacs en papier. Franchement, c'est une catastrophe. Ça craque comme un rien. Voilà, j'étais à Leclerc, regardez. J'en ai eu trois à me casser. Hein. Regardez. Oh, regardez, voilà. Voilà les résultats. Donc c'est un peu décevant. Alors, je vous montre les courses. Bon, tout d'abord, je voulais vous parler pour le variant. D'ailleurs, le docteur, le chauffeur Uber m'a dit qu'il avait de moins en moins de courses parce que les gens restent chez eux parce qu'ils ont peur. Voilà. Mercredi, on va y avoir une annonce et je pense, apparemment, on va avoir un confinement général pendant un mois. Ils vont profiter des vacances, c'est très bien d'ailleurs pour les enfants. Ils vont profiter des vacances, ce qui fait que le variant peut-être qui va s'en aller, on ne sait pas, mais il faut au moins un mois pour qu'il parte. Donc on va être confinés pendant un mois, je pense. Voilà, les enfants, ils seront en vacances et confinés, et les parents aussi. Bon, allez, sur ce, je ne sais pas, apparemment c'est confinement général. Allez, on y va. Allez, on ne se laisse pas abattre. Pâte d'ours. 4 pâtes d'ours. 2,50 €. Il faut savoir que j'adore, 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 j'adore. 2,50 € les 4, c'est vraiment pas cher. À Leclerc, franchement. Impeccable. Ensuite, ben voilà, je vais me faire plaisir, des petits gâteaux. Feuilletés dorés, j'en trouve rarement. Je les ai payés 99 centimes, je crois. Alors, le truc, c'est que je connais pas trop les prix. Voilà, mais je ne vais pas tout regarder. J'en ai eu pour une somme quand même. Je sais pas si. Ouais. Oh oui, merde. Non, c'est bon. Alors. Ça, je l'ai payé 80 centimes. Je ne connais pas la marque Petit-Déj, mais j'ai pas trouvé autre chose. Donc 80 centimes à la cerise, je ne connaissais pas. Des moules. Alors j'ai pris des moules. Mon fils va venir, j'espère. Mon fils va venir à la fin de la semaine. Donc du coup, il vient samedi et dimanche et vendredi, je pense. Du coup, j'ai trouvé ça. Je les ai payés. Combien? Je déteste regarder les trucs, pour regarder les trucs chers en fait. Hein, attendez. Avec la poutine, 4,19 les moules basquaise. 4,19. Ben, franchement, c'était pas le prix qui était indiqué. Hein, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Honnêtement, j'ai pas eu le temps, une seconde, de regarder. Et j'ai perdu la carte Leclerc. 1,30 € la mangue. Alors, si vous allez derrière, ils sont mûrs. Ensuite, clafoutis aux pommes façon tatin, 2,50 €. Franchement, c'est une nouveauté, j'avais envie de goûter. 2,50 €, elles sont bonnes jusqu'au 3 février. Voilà, franchement, ça a l'air sympa. Je prends dans les sacs. Hein. Clafoutis aux cerises, bah, j'adore. Hein. J'ai essayé toutes les marques, il n'y en a aucune qui me va, il n'y a que celle-là, la laitière. Donc, 10 € février, 10 euros, oui, 10 € février, n'importe quoi, jusqu'au 10 février, donc j'ai le temps de les manger, voilà. Et 2,09 €, 2,09 €. Vous savez quoi, j'aurais dû mettre mes courses là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Alors ça, je l'ai payé en promotion 2,40 €. Mais ça se trouve, je l'ai payé beaucoup plus cher. J'ai pas contrôlé le ticket. C'est la première fois que je contrôle pas le ticket et que je calcule pas ce que j'ai. Alors, c'est innocent pomme mangue. Voilà. Franchement, 2,40 €, il y en a 1,35 L. C'est parfait. Ensuite, j'ai pris ça pour mon fils. Des poulets croustillants chorizos. S'il les mange pas, je les mange pas, il les emmènera. J'ai payé ça 6,50 €. Je pense que ça va être super sympa. Des churros de pommes de terre avec des petites ailes de poulet, 6,50 €. C'est vite fait, c'est prêt. J'aurais voulu aller à la KFC, j'aurais payé beaucoup plus cher. Donc voilà, pour deux. Et du coup, j'ai repris. Ça, je le tenais. Alors, c'est combien j'ai payé ça? En fait, c'était 6 euros, mais je crois que c'était 4 euros, mais je me suis grave fait avoir. C'était 4,50 € offre spéciale et elle me l'a compté à 6 euros, comme je n'ai pas contrôlé. Voilà, alors, prête à déguster. Voilà, j'ai payé ça normalement 4,50 €. Il faut que je regarde. Je regarde. Hein.
Mais je pense que je me suis fait avoir. Bah ouais, grave même. Moule provençale, 900 grammes, 6,95. C'était pas du tout le prix. C'était pas du tout le prix, c'était 4,50. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein? Là, je vais pas y retourner, hein. Alors, ensuite, j'ai dévalisé Leclerc, je vous le dis, moi. J'avais envie de goûter ça, des hachés de jambon à l'emmental. Je ne connais pas, jusqu'au 11 février. Je trouve que c'est super sympa. Ça change avec des petits pois. Franchement, ça va me rappeler ma jeunesse. Ça, avec des petits pois, ça va me rappeler ma jeunesse. 1,30€. C'est la marque Repère. Ah ben, je ne savais même pas. Tortue Surimi. Je ne connaissais pas du tout la marque Repère. Tortue Surimi. J'aurais su top au couvert plastique. Tortue Surimi à la ciboulette. Bon, 1,30€. Alors, j'ai repris ceci, il faut que je vous explique pourquoi. Parce que normalement, elle a des croquettes qui coûtent une blinde. Et c'est ce que je veux dire, c'est celle-ci. Elle coûte 21€. Et la dernière fois, j'en avais acheté plusieurs pour qu'elle goûte. Du coup, j'avais acheté celle-ci. Quand j'ai vu la date, mais quand j'ai vu la date, heureusement que je n'en ai pas donné beaucoup, hein, jusqu'au 2020, septembre 2020. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Donc là, je suis très, très en colère parce que ça, c'est des croquettes. Le paquet, il vaut quand même 6,95. Le tout petit paquet de 300 grammes. Donc, faut arrêter, quoi. Donc là, elle est très gentille. Elle va faire le nécessaire, la conseillère. Donc voilà. Donc, c'est très bien. Parce qu'elle dit, elle a un menu spécial. Enfin, pas un menu spécial. Elle a un truc, je sais pas comment on appelle ça. Ça, j'ai payé 2,95, j'espère. Parce qu'apparemment, ça, c'est très bien pour la poussière. Apparemment, j'ai pas vu le ticket. Donc ça, 1,30€, éco, noir, il y en a 20, 30 litres. Ça, c'est au cas où, si j'ai des gros trucs qui sentent que je dois vider la poubelle. Des crêpes, j'adore. 2 euros combien? 2,40€. J'adore. Franchement, elles sont super bonnes. Alors là, j'ai pris pour ma poubelle. J'ai payé ça 2,40. Handy bag, protection active. Je suppose que c'est un peu comme la... Il y en a 20 en plus. Je suppose que c'est un peu comme la lavande. Je ne vais plus à Action, donc... Ça, j'ai goûté 2,40€. Pistache caramélisée, Côte d'Or. Il faut se faire plaisir, hein, si c'est le confinement. Du pain de mie jusqu'au 10 février. Donc, moi, je ne mange pas de pain de mie, mais Yannick aime bien. De toute façon, moi, tout ce que j'ai, après, je le donne à Yannick. Et puis, si je ne mange pas, j'appelle mon ex-mari et puis je donne tout à mon ex-mari. D'ailleurs, il me dit, pourquoi ta chaise, c'est pour t'en manger. Donc, une deuxième mangue. Je suis très mangue. Une pomme, parce que je sais que mon ex-mari va me... Bon, j'arrête de dire mon ex-mari, c'est Alain. Je sais qu'Alain va me faire des courses, il va me ramener des pommes, j'en suis sûre. Donc, demain, je sais que j'aurai des pommes. Je vais des super bonnes pommes. Alors... Chocolat, billes céréales, j'ai payé ça 1€ et des bananes. C'est la marque Délice, je ne connais pas. Ça, j'adore. 2,25€, c'est du gorgonzola avec du mascarpone. C'est une tuerie, vous mangez ça, c'est un vrai régal. Et une pomme que j'ai payée 80 centimes. Et l'autre, j'ai payé 63. Mais c'est une pipelette. Ensuite, j'ai pris de la brioche. Jusqu'au 8 février, j'en ai eu pour 2,15€. C'est la marque La Boulangère. 1€, quoi, 1,20€. La laitue, jusqu'au 31 janvier. Donc ça, c'est top de chez top. Je vous avais dit, voilà, la génoise au citron. C'est sympa. Ils appellent ça la génoise au citron, mais en fait, c'est des... Merde, comment on appelle ça? Je sais plus. Vous voyez ce que je vais dire? Je sais plus, ça a un nom. Voilà, et bien écoutez, au citron, on va goûter. Hein. Ça se trouve, c'est infâme. J'aime bien parce qu'ils se foutent de la gueule du monde. Parce qu'ils mettent 4€ offre spéciale, ils mettent bien. Et puis là, c'est le prix 4€. Donc, où est l'offre? Leclerc, des fois, il faut... Ah, alors là, j'ai trouvé, ben, pas trop cher, je ne sais plus combien. La marque Le Repère, je connais, les raisins noisettes, c'est ce que j'adore. J'ai pas trouvé Côte d'Or, donc j'ai pris comme ça. Et là, j'ai pris pour 75 centimes du gruyère. J'ai pris des... Mais il manque ma soupe. J'ai pris des petits croutons, fruits de mer. Enfin, des petits croutons sans huile de palme, 75 centimes. Et j'ai pris, alors ça me rappelle mon enfance aussi, des sablés des Flandres, 1€, même pas.
Alors, de là, la soupe. J'ai pris de la soupe justement pour aller avec mes petits croutons et le gruyère. Soupe de poisson aux aromates de Libye, j'ai payé ça 2,15. Et du jambon, bah, parce qu'on a toujours besoin du jambon chez soi, non? L'air d'amour, je fais un malheur. J'ai oublié l'air d'amour, mince. Voilà, du coup, mes courses. Sur ce, bah, c'est le bordel, j'ai oublié ça aussi. Voilà, j'ai acheté ceci parce que, comme je vous expliquais dans un vlog juste avant, je vais le mettre d'ailleurs ensemble, mes cheveux ils sont plus comme avant parce que j'ai fait la couleur moi-même, et en faisant la couleur moi-même je me suis aperçue qu'il manquait un produit qu'à d'habitude ils avaient, et là ils l'avaient pas, donc ils n'avaient pas, je parle bien français bon. Et du coup ben, je me suis dit je vais prendre ça, Franck Provo expert respiration, je l'ai payé 5 €. Ça se trouve je ne l'ai pas payé du tout 5 €, parce que je trouvais que ce n'était pas cher du tout hein. Et donc du coup je l'ai payé combien? Where is the ticket? Ça, c'est moi. Hein. Je sais pas où j'ai mis le ticket. Bon, je vais regarder. Je vais regarder tout ça. Là. Alors, attendez. Alors, j'ai mon appareil. Vous ne voyez pas, mais j'ai un appareil, là. Regardez. J'ai un appareil. Alors, parce qu'en fait, les vertiges ménières, après, une fois que ça s'affaisse, les vertiges ménières, on a que la baisse d'audition est importante, eh bien, on a moins d'audition, quoi. Mais ça va quand même. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Le truc, je regarde le plus cher. Charcuterie croustillant de poulet, 6,50. Ça, ça va, c'est le bon prix. Mais je vois pas où est le... Mais j'ai pas mes lunettes en plus. 4 €. 4,68 €. Vous vous rendez compte? 4,68 €, mais ils se sont trompés de prix. Hein. Et ça, c'est top. Ça, je vais m'en servir de suite, là, après shampoing. Hein, c'est génial. Alors, je vais faire un petit tour. Allez. Allez, on fait un petit tour. Hop. Voilà. Vous en avez là. Et vous en avez là. Voilà. Bon, allez. Et à Carrefour. J'adore. Je ne sais pas si vous connaissez. Trio de choux. Jambon supérieur et comté. Je l'ai payé 3,10 €. J'adore ça. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du jambon, il y a du comté et il y a du chou. Il faut aimer. Moi, j'adore. Pour 3,10 €, c'est vraiment très, très bon. Voilà. Voilà, sur ce, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, bouge tout. Bye bye, ciao. Abonne-toi et active la cloche.